Bonjour à vous tous qui nous rejoignez pour ce match. Ça va Pierre ? Ça va, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Ils ne maîtrisent pas le ballon, ils le perdent. Ouais, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. La passe est interceptée. Rami. Ouais, belle séquence de possession dans la moitié de terrain adverse en plus. Allez, un centre. Ouais, faut trouver un. L'ouverture, ils attendent une ouverture dans la défense. Il est venu le fixer et s'en débarrasser avec ce dribble. On tacle et le ballon qui sort en touche. Un ballon pour l'adversaire. Non, elle est interceptée cette passe. Attention à la frappe. Oh, il y est. Oh, le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. C'est un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. Un ballon magnifiquement distillé, bien dosé, Pierre. Ça vient frôler la base du montant. C'est la grande précision, c'est de l'horlogerie. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Duel gagné, il prend le ballon. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. On cherche une solution. Il faut trouver une option disponible. La reprise de volée. Oh oui, le but. Un autre but quasiment coup sur coup. Ça fait du bien pour la confiance de marquer des buts comme ça. C'est sûr qu'une belle reprise de volée, c'est toujours spectaculaire. Ah, c'est un des gestes les plus purs du foot. Hein. Et les voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Allez, il faut s'appliquer sur cette possession. Oh, s'il marque, il relance le match. Oh, il arrive. Ok, plongeon superbe. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Ah non, le ballon est perdu. Ah, la passe en profondeur, attention. Ouais, la bonne lecture de la trajectoire de la part du gardien. Je vais essayer de relancer vite. Ouais, la frappe. C'est une belle occasion là qui s'envole. Ouais, ce ballon passe pas loin, c'est sûr. Bon, enfin bon, leurs affaires, ça range pas. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Chercher une solution là. Allez, le centre maintenant. Chercher la faille dans la défense adverse. Chercher une ouverture, bien sûr.
Ah, il a mis de l'intensité dans son geste défensif et ça lui a permis de récupérer le ballon. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Ah oui, c'est bien fait ça. L'arbitre qui désigne le point de pénalty. C'est pas cadré. Non, ça c'est un pénalty gâché bien comme il faut. Ce sera une touche à suivre. C'est dévié, ça sort en touche. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Eh non, c'est gâché. Ce ballon qui est dégagé. Rami. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Un ballon rendu à l'adversaire. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Il faut trouver une option disponible. Et le ballon dans les bras du gardien. Il y aura 2 minutes de temps additionnel. Ah, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Voilà, les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de 2 buts quand même. La première période qui vient un peu confirmer ce que l'on pensait, Pierre. Il y a un gros écart entre... Début à l'instant de la seconde période. C'est une mauvaise passe et c'est cadeau. La passe est coupée et bien défendue. Et le changement d'aile. Ah, la bonne inspiration sur cette passe. Le gardien qui repousse, attention. On va construire en passant sur les côtés. Le ballon rendu à l'adversaire. Ah, il est à l'interception. Ah, le tacle est propre, efficace, très bonne interception. Alors, on centre peut-être dans l'axe. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Ah, il risque de perdre le ballon là.
pour chercher une solution. Allez, touche. Il va repasser par son gardien. Rami. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? En profondeur, oui, bien vu. Voilà, coup franc. Il combine à deux. Ah, elle touche après un tacle impeccable, hein, soit dit en passant. Ah, bonne maîtrise, hein, sur ce tacle. Touche à suivre. Qu'est-ce qu'il va faire? Va-t-il parvenir à centrer? Nouvelle touche. Le ballon qui va loin. Essaye de trouver la faille. Il faut bénéficier de la touche. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. On cherche la faille dans la défense adverse. Le long de la ligne de touche. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ah oui, c'est bien fait ça. Il cherche des solutions là. Oh, bien défendu. Ça aurait pu être chaud. Ouais, bien donné encore une fois. Allez, il peut prendre l'espace là. Et on repart de l'autre côté. De précision, cette passe, et elle termine en touche. La passe est interceptée. Et ce ballon qui est bien récupéré. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Ah non, pas là, le ballon est perdu. L'arbitre qui fait signe de jouer. Oui, ça profite à l'attaque, il a raison. Parce que cette faute va lui valoir un avertissement. On est entré dans les 9 dernières minutes de ce match. Ouais, c'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Attention, parce qu'il y a un petit peu d'espace sur l'aile. Il faut qu'il centre là. Et il a du soutien autour de lui, c'est bien. Oh,
Ah ben c'est un adversaire qui récupère cette passe. Et il se donne un petit peu d'air avec ce dégagement. Et attention, il me semble qu'il est déjà averti. On dirait qu'il va le frapper direct ce coup franc, pourtant il est loin là. Ouais, il combine à deux. On rentre dans le temps additionnel qui sera de 2 minutes seulement. Ouais, c'est un ballon perdu. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ouais, la meilleure solution. Voilà, c'est terminé. Les joueurs qui doivent s'incliner. Un match